Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Belge Activity. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Cynthia, la légende de la justice. Voilà, comme j'ai dit, on va faire l'émission. Donc, je vais vous parler d'émission de la semaine. Voilà, donc là, nous sommes dimanche soir. Donc, chacun le dimanche soir, c'est un petit peu le lundi. Hein, donc, voilà. Après, bon, en décalage avec la chaîne, forcément, ben. À dimanche soir, c'est plus lundi, on va dire. Donc, on va parler des émissions de la semaine, qui sont quand même très simples. Hein. Je crois qu'on va être bien avancé dans le jeu, les émissions de la semaine. À la limite, ça va plus vite. Donc, qu'une fois par jour, on va parler un petit peu des émissions de la semaine. Donc, moi, je les connais assez par cœur, hein, l'émission. Donc, ça, c'est quelques jours, la semaine. Donc, hebdomadaire. Quand il fait marquer. Donc, le premier, c'est qu'il faut faire évoluer deux fois un personnage en étoile, peu importe les personnes, il faut juste faire évoluer deux fois un personnage. Si faire 20 singles ou 2 multi, simplement. Si faire 3 fois, participer 3 fois à la maison des 12 joyeux du Zodiac. Faire une fois en entier, à la maison des joyeux du Zodiac, le faire en entier. Une fois, je pense qu'il y a le magasin. Acheter il y a des missions où il faut acheter dans le magasin. Il faut acheter plusieurs fois par jour, donc il faut acheter 5 fois un objet. Voilà, il faut acheter plusieurs fois. Peut-être un objet, peut-être en PVP ou en guild. Je pense que c'est un objet que vous achetez tous les jours avec de l'argent. Faire 15 fois en PVP et 12, ça c'est l'émission journalière. 15 en combat en PVP. En PVP, on va dire en 3 jours en gratuit, c'est fait quoi. On verra par rapport à la globale, par rapport à la semaine. Peut-être faut compter peut-être le lundi, peut-être le lundi ou mardi. On verra par rapport à la globale pour la semaine. Voilà, c'est très simple. Voilà, donc les 2 étoiles, bon. Quoi. Pour le premier, forcément, c'est monter. Soit vous faites évoluer ceci. Vas-y. Ouais, vous faites évoluer ceci. Donc, vous pouvez. Les étoiles, c'est n'importe qui, hein. Il n'y a pas de personnage spécifique. Donc, c'est ici, hein. Pour faire... Juste 2 personnages, simplement. Je ne sais pas de quoi, mais voilà. Donc c'est ici, il faut faire évoluer les étoiles, juste faire évoluer tout personnage, simplement. Ensuite, pour la maison des deux chevaliers, donc c'est ici, donc hop. Donc faut participer une fois, donc on fait la première fois ici, la maison. Ça, vous participez une fois, donc faire ça 3 fois, simplement. Hop. Mais personnellement, si vous pouvez le faire, faites-le en entier, quoi. Simplement parce que c'est très intéressant, je vous dis, l'événement est très intéressant. Vous pouvez récupérer des ressources, etc. Donc, c'est intéressant de le faire, quand même. Hop. Puis, il y a une mission qui va vous demander de le faire en entier. Attention à cet événement, je vous dis, à ne pas sous-estimer. Parce que même si des fois il peut être très simple, des fois il sera. je vous dis, des fois il va vous mettre des droites. Parce que je vous dis, la difficulté est complètement aléatoire. Des fois, ça va être très simple, mais des fois, le jeu va pas pardonner. Donc, faut faire gaffe. Il y aura des moments comme ça de vous faire défoncer. Et vraiment, il y a chaque. Il y a même Poséidon. Non, Poséidon. C'est rare qu'on y apparaît. C'est rare qu'on y apparaît. Poséidon. Entre chacun et Poséidon. Poséidon. Poséidon, ça c'est rare hein, quand je le vois dans le perso prenable. Si je change. Tac.
d'avoir un lien avec peut-être avec les vents, avec les personnages en vent. Donc Poséidon qui va apparaître plus tard, hein, faudra un petit peu patienter pour le Poséidon. Voilà, donc ça, vous le faites en entier. Donc il me faut vraiment de le faire une fois en entier. Donc je vous dis, il faut faire gaffe, hein, à ne pas sous-estimer cet événement. Croyez-moi, des fois, il va pas vous pardonner. Donc c'est un événement cool. Je vous dis, des fois, l'événement, il va pas pardonner. Hein. Peu importe ce que vous avez, hein, comme team, s'il veut mettre tous vos personnages KO, il va le mettre. Les questions. Bonne réponse. Les questions sur le Saint-Cyr, mais bon. C'est vrai, je pourrais traduire et tout. Donc voilà, donc faites gaffe, hein, des fois, avec cet événement. Donc, je dis là, le mieux c'est d'avoir quand même pas mal de personnages. Des préférences bien montées. C'est là que je crois avoir pas mal de personnages bien montés. C'est plus avantageux, hein. Si vous avez beaucoup de personnages, c'est plus avantageux quand même dans cet événement. Donc je dis, hein, des fois l'événement sera très simple, hein, mais des fois il va pas pardonner. Je le sais, hein, je le dis, hein, j'ai pris des claques, hein, j'ai pris des grosses claques avec cet événement. Ici. Et Sean. Je vous le dis, Sean, j'aimerais avoir quand même essayer comme l'avoir en 10 étoiles, le Sean. Franchement, là, l'événement, il a l'air très simple. Mais des fois, on dit, il faut savoir aussi que quand l'événement est très difficile, c'est très intéressant. Il hein, faut savoir que quand ça devient extrêmement difficile, l'événement est très intéressant. Voilà. Donc, comment savoir quand c'est difficile et quand allez-vous prendre l'amant de votre siècle? Croyez-moi, cet événement, hein, ne pas sous-estimer. Des fois, il va vous surprendre. Des fois, vous allez voir, il va être très simple. Mais des fois, il va pas pardonner. Pour l'instant, ça a l'air très très simple. C'est qu'il y a ça qui est intéressant. De plus, je ne prends pas les objets. Bon, je sais un petit peu, mais c'est vrai que des fois, ils font des achats. Est-ce que c'est intéressant? J'ai l'impression un petit peu, peut-être quand même. Là, je peux avoir des objets en or contre des diamants. Je sais que c'est utile quand même. Pour l'instant, nickel, sans faute. Oui, ça, à un moment donné, il faudra le faire en entier. Vous dis, on ne pas sous-estimer cet événement. Des fois, il sera très simple. Et des fois, il faut y voir pas faire de cadeau.
temps-là. C'est voilà, c'est cadeau, hein. Pour l'instant, ça va être cadeau. Pardon, entre ces deux, on va tester, mais ça passe. Ici, il faudra attendre 2 jours après, hein, pourquoi? Donc, pour les 3 fois, ben, c'est 3 fois par jour. Donc, vous faites le premier, hein, vous pouvez faire juste le premier. Mais bon, pour moi, c'est plus intéressant de le faire en entier, hein, quand même. Donc, vous pouvez récupérer des cadeaux, des récompenses, de la monnaie. Voilà. On s'est fait défoncer, moi, dans mon défoncé principal. Donc, voilà. Donc, savoir quand c'est très lucide, c'est très intéressant. Voilà. Vous avez de meilleures récompenses quand c'est difficile, hein, simplement. Donc, à ne pas vous estimer cet événement. On l'a fait en entier. Moi, je le fais en entier parce que oui, c'est intéressant. Voilà, tranquille. Et si, donc, aussi, ils avaient un deuxième truc. Au cas où ça tient, c'est là pendant tant de jours. Bon, ça dépendra de vos puissances. Forcément, 1 million, je pense, c'est beaucoup. Donc, tous les jours, vous pouvez récupérer sûrement des ressources en plus. Donc, si vous ne pouvez pas le faire le prochain niveau, mais vous pourrez récupérer ceci. Donc, vous récupérez des ressources. Bon, c'est pas grand-chose, mais on prend, hein. Là, je suis étonné qu'il n'y a pas lui en tant que personnage, ce saga-là, mais en version fantôme. Sortait cool qu'il y a un saga en version fantôme, mais il n'y a pas trop de. Après, il y a deux sagas, mais il y a d'autres sagas, mais pas la version fantôme. Donc voilà, donc là on a fait 2 missions en un, enfin une partie, donc on a fait la tour. Après, il y avait un single, donc il y a le PvP, hein, donc on faisait les 5. Donc, vous faites les 5 combats par jour. C'est un peu bon. Donc, comme ça, vous le faites 3 fois. Ça va vite, hein. C'est un peu trop élevé. Hop. Faites les 5 combats. Bon, au début, voilà. Pour les nouveaux joueurs, peut-être le skip, vous l'aurez plus tard le skip. Hein. Faut avancer dans le mode histoire. Tout ce qui est skip x4, faut avancer dans le mode histoire. Hein, vraiment. Ça faudra faire 5 fois. Après, vous pouvez le faire 15 avec les tickets, hein, si vous voulez. Mais bon. Et que celui-là, hein, comme le PVP, qui est compté, les autres ne sont pas comptés. Hein. Pourtant, les autres, peut-être pour les autres, peut-être plus compter pour les mois. C'est pas, voilà. Ça, en semaine, pour la scène, c'est que celui-là. Hein. Je sais qu'il y a plusieurs combats en PVP, mais les autres ne sont pas trop comptés. Hein. Voilà. Après, après vous pouvez faire avec les tickets, mais bon, c'est pas trop pressé quoi. Voilà, donc ça c'est fait, donc ça faut faire 3 fois par jour.
Voilà, en semaine. Après, vous avez des missions aussi. Donc ça, il faudra envoyer, franchement, ça va vous coûter en 2 jours. C'est là, voilà, je explique que des fois, en fait, si vous améliorer trop vite vos personnages, des fois le jeu va vous demander de faire des missions. Ici, par exemple, si vous n'avez qu'un personnage en 9 étoiles, et que les autres sont encore en 6, 7 étoiles. Voilà, imaginons, et que vous n'avez qu'un personnage haut en 9 étoiles, et que les autres, c'est encore en 9 étoiles. Des fois, ils vont proposer ce genre de mission. Voilà. Des fois, ils vont proposer ce genre de mission. Des fois, ils vont même 2 9 en 9 étoiles, donc quoi. C'est pour ça que je vous dis, la progression, si vous êtes en free to play, faites-le justement de manière pas trop vite. À la limite, vous attendez que les autres éléments soient en même temps. Si vous voulez mettre tout le monde en 9 étoiles, voilà, si vous pouvez mettre tout le monde en 9 étoiles, voilà, mais voilà. En fait, c'est parce que sinon, ce genre de mission va arriver très vite. Et vraiment, peut-être, ils vont demander de faire peut-être 2 fois la mission en 9 étoiles. Si c'est un seul 9 étoiles, bah, vous l'envoyez, puis vous attendez que ça finisse, puis vous le renvoyez. Donc, c'est pour ça que vraiment, les quêtes journalières, c'est intéressant de. Plus, voilà. En tout cas, si vous voulez. En fait, si vous améliorez trop vite vos personnages, c'est le genre de mission que. C'est dommage, parce que c'est des ressources très intéressantes. Vous avez beaucoup de personnages en F2, il n'y aura aucun problème. Hein. En fait, il faut faire gaffe quand vous améliorez trop vite vos personnages. En fait. C'est dommage, parce qu'il y a quand même des bourrées. Au fur et à mesure, vous allez avoir des. De mes récompenses en fait. C'est bête de passer à côté quoi. C'est des petites ressources mais ils peuvent avoir une importance. Voilà, donc ça va faire une fois par jour. Donc c'est 12 minutes. Ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en 2 jours c'est fait. Peut-être au début. Je pense pas qu'il y aura autant de missions au début, je pense. Peut-être qu'il faut compter, il y aura peut-être 5, donc peut-être qu'il faut compter facilement, peut-être en une semaine, peut-être en 4 jours, vous les ferez peut-être au début. Peut-être au début, je pense que c'est un peu plus long. Mais au fur et à mesure, d'avoir beaucoup plus de missions, ça va aller vite. Si pour les autres jardins, ça il faudra avancer dans le mode histoire, hein, simplement pour les débloquer. Donc, si on va envoyer ceci, ça, ceux-là, vous les aurez plus tard, hein, parce qu'il y a le gold. Donc, ça prend 12 heures, hein, simplement. Donc, si, ici, vous achetez, pour moi, vous achetez les derniers, hein, les plus rares. Ouais. Foule pas avec les autres. De toute façon, c'est la même chose. Certes, ça dure moins longtemps. Voilà, donc ça, c'est les 12 missions. C'est ici que vous allez faire les 12 missions. Donc, peut-être au début, il faut compter peut-être en plusieurs jours pour le faire, je pense. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir, en 2 jours, ce sera fait, quoi. Au fur et à mesure, vous allez voir que vos missions de la semaine sera plus raccourcie. Hein. Donc j'ai l'impression maintenant en 3 jours c'est fait quoi. 3-4 jours, même en 3 jours c'est fait, j'ai l'impression la semaine. Une mission en semaine, donc ça peut aller très vite. Donc voilà. Après c'est tout quoi. En fait, la maison des 12 chevaliers, on peut le faire 3 fois. Après, il y a une que vous demandez de le faire en entier. Donc, des fois, ça passe. Hein. Donc, des fois, vraiment, ça sera très simple. Faites gaffe, des fois, il peut vous surprendre. Des fois, il risque de vous faire défoncer. Ça, c'est le risque. Mais voilà. Mais c'est le jeu. Il faut savoir quand c'est très difficile, c'est très intéressant. Après, voilà. Après, là, aujourd'hui, les missions en semaine, vous allez voir.
de voir l'émission, ce que ça va vous faire à mesure. Forcément, sachez que l'émission, à un moment donné, la plupart des émissions se refont tout seul. Si vous jouez quotidiennement au jeu, bah, l'émission, vous ne pas faire attention, quoi. Ça va se faire tout seul, etc. Voilà. Donc j'ai eu un nouveau personnage récemment. J'ai eu lui. Il est où? 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 Il est là. Alors, voici le nouveau. Voilà. J'aime bien avoir un personnage, une armure. Par contre, l'argent. Par contre, lui, l'argent, je ne suis pas trop. Beaucoup. Ça, c'est sûr. Contre, l'argent, au fur et à mesure, vous allez voir, en tant que free-to-play, il y aura des moments comme ça où vous allez avoir des trous. Même l'argent, maintenant, ne suit pas beaucoup. Au fur et à mesure. Voilà. C'est mes récompenses. Hop, 348. 20 pièces, ok. 450. Donc pour les pierres roses, c'est ici. Je suppose que ça permet aussi d'améliorer certains personnages. Donc si je monte petit à petit les trucs. Ici je monte ici le truc un par un. Ça va améliorer je suppose que ça améliore les personnages un petit peu. C'est tout ce que vous avez hein, forcément. Ça va en fonction de ce que vous avez. Donc ça c'est je pense c'est plus tard hein, que vous allez débloquer. Voilà, donc voilà. Envoyez aussi celui-là une fois par jour. Si vous pouvez, moi, malheureusement, je suis aussi bloqué au 161. Enfin, pas la folie. C'est passé. Ok. Ok, une fois par jour, c'est ceci, si vous pouvez le faire. Attention, des fois, il peut être très difficile, hein, des fois. Ça, c'est une fois par jour. Voilà. Les singles. Et l'aventure. Par contre, le mode histoire. Et des fois, ouais, il y a aussi ceci. Ça, une fois par jour, vous avez le truc. Pour avoir des ressources rapides, mais c'est des petites ressources. Hein. Au fur et à mesure, vous allez voir que les ressources, quand même, même si ça peut faire beaucoup, mais. Voilà. Donc après le mois, pour l'émission du mois, en fait, faut faire l'émission en semaine, l'émission semaine et l'émission par jour. Puis le reste, c'est quasiment la même chose. Que ce soit en PvP, single, version single, je pense. Donc il y a 10 multi, il y a du PvP, plusieurs PvP, la guilde, plusieurs fois. C'est quasiment la même chose qu'en semaine, en par jour, à part ça, en plusieurs fois. Maintenant, si vous farmez assez bien, en 15 jours c'est fait. Voilà. Alors, autant, je pense, peut-être au début, vous allez peut-être faire en 25 jours, peut-être la première fois. Peut-être la première fois, vous n'allez pas tout faire en un coup. Je dirais que peut-être en 20 jours au début, peut-être 25 jours. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va rapidement.
Les missions sont souvent rapides, hein, quand même. Voilà. Donc, il y a un anniversaire. Donc, l'anniversaire, ça dépend des diverses récompenses. Ça peut être des diamants, des puzzles en gold. C'est l'anniversaire d'un personnage. Ça, c'est l'anniversaire d'un personnage. Mais c'est collection. Ici, il récupère 200. 700, enfin même 800, 800, 1000, 1800. Hop. C'est pour ceci. Donc, toujours récupérer. Pierres gold et par semaine vous récupérez 5 par semaine donc j'ai récupéré une vingtaine hein, par semaine après nous les pierres en d'invocation nous avons la fontaine je sais pas si sur le global sera disponible je pense qu'il faut avancer dans le mode histoire pour le débloquer donc ça c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est arrivé quand même après, hein. Je suis pas sûr que ça arrivait. Donc si, voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, vous en renvoyez. Pour moi, ça va. Hop. Là, ça va mieux. Vous avez droit à deux tirages par jour. Ah, il y a quand même 16. Je le prends. Il y a quand même 16 trucs. Vous avez ici les couleurs donc tout ce qui est couleur c'est une fois par jour donc une fois c'est de l'eau une fois c'est de la terre une fois c'est du vent du feu voilà. Après le reste c'est ça c'est une pierre pour échanger après le truc gold c'est pour les geôliers en or et le truc argent c'est pour les geôliers d'argent après le truc en eau ça va changer tous les jours. Et voilà. Ici, c'est un shop, donc il faut quand même invoquer un petit peu. Comme vous pouvez voir, vous avez deux personnages gratuits. Donc, c'est les POC Shiryu et les POC Seiya. Vous avez des paires d'invocation. Donc, des Lumière et Ténèbres. Donc, voilà. Donc, faut quand même. Voilà. Donc, c'est une fois par jour. Je sais pas si, enfin, on peut avoir plus de. Plusieurs tirages en entendant le soir. Voilà. Donc il y a ceci, hein. Voilà. C'est le puzzle hein, qui permet de récupérer des récompenses. Voilà. Pour l'instant, je... Donc si vous avez des personnages. À récupérer. Bon, moi, ce que je récupère forcément, c'est des ressources. Hein. Tout ce qui est lié aux ressources, c'est ça que je récupère hein, le plus. Hein. que je galère un petit peu. Donc, ça, c'est des personnages hauts. Sans que c'est que des 3 étoiles, c'est pour pouvoir augmenter les étoiles. Voilà. Voilà, donc je vais exposer un petit peu. Donc, vous allez voir en semaine. Donc, vous allez voir l'émission au fur et à mesure. Une partie de l'émission vont se faire tout seul. Peut-être au début, en semaine, peut-être. Au début, peut-être ça peut prendre du temps. Mais vous allez voir au fur et à mesure. quand vous avancez vraiment dans le jeu, la plupart des émissions vont se faire tout seul un petit peu. Croyez-moi, la plupart des émissions, vous ne prenez pas la tête. La plupart des gens se fait tout seul. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur pour les questions de la semaine, quand même, pour vous aider. Donc, l'événement à faire une fois, c'est la tour avec des chevaliers. Donc, je vais le faire une fois. Encore une fois, faites gaffe quand même, même si des fois il peut être très simple. Il y aura des moments où il va pas pardonner. Donc, à ne pas sous-estimer cet événement.
quand même. Quand c'est très difficile, c'est très intéressant en général. Voilà. Donc après, vous avez le PvP, il faut faire 15 combats. Donc soit vous faites 3 fois, 15, donc 5 fois par jour. Simplement, en 3 jours, ça fait. Après, vous avez l'émission. Peut-être au début, celui qui serait peut-être plus long, c'est, je pense, les quelques jours à l'année. Pour des facilement 4-5 jours, hein, peut-être au début, pour tout faire, les 4 jours à l'année. Peut-être ceux qui peut-être pas obligés, je pense, tout ce qui est invocation. Les invocations, donc vous avez une single par jour, et vous avez aussi 20 singles. Sachez que vos points amis peuvent compter dans l'émission. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de d'avoir pas mal de points amis. Je sais que vous pouvez les avoir. La mission marche avec ces points-là. Mais bon. Voilà. Voilà, donc c'était une vidéo sur Sensei, la légende de la justice. Bon, apparemment, nous avons des news par rapport à la globale. Voilà, nous avons des petites news. Nous allons parler par rapport aux news. Je vais vous parler des news qui va arriver sur la globale. Et voilà. Voilà, donc vous aimez cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.